Nous sommes de retour sur les routes de France pour cette fois-ci participer à la version 2.0 de l'INSA Express. C'est une course en stop organisée par l'INSA, donc notre ancienne école. Quelle école, quel nom d'équipe? INSA Lyon, la colocomotive, parce qu'on est coloc, on est locaux, on est motivés, on a la locomotive. Il n'a pas le temps, qui consiste en parcourir toute la France de INSA en INSA. Donc on part de Lyon ce matin et on va à Toulouse ce soir. Le binôme Strasbourg-Rennais, et c'est les anciens de la voiture balai. Nous, malheureusement, on n'a pas l'occasion de faire toute la course dans son entièreté puisqu'elle dure une semaine. On participe du coup à la première étape qui va jusqu'à Toulouse. Quelle équipe, quelle école? INSA Cado, INSA Rennes. Et puis après, on laissera les participants vadrouiller sur les routes de France en direction de Bourges, de Rennes, de Rouen, de Strasbourg, et j'en ai sûrement oublié. Et c'est parti. Et voilà, c'est parti. Vous êtes tout beau. Et il se trouve qu'en fait, on a passé un pacte avec eux puisqu'on va essayer de se retrouver au safari de Peaugres, parce que l'un des défis de la course, c'est de prendre une photo des binômes avec un éléphant. Donc voilà, c'est le petit challenge. C'est pas vegan. De la journée. Il est chiant, lui. Il y a des stoppeurs par là-bas. C'est difficile. Partir d'une grande ville, c'est vraiment difficile, surtout quand on est plein. Et du coup, là, c'est un vrai jeu de patience. On est interdit de prendre des transports en commun, ce qui aurait forcément facilité la tâche, parce qu'on a l'habitude de se prendre dans le sud de Lyon en métro pour faire du stop. Et là, c'est interdit. On n'a pas le droit. Bon bah, toujours à Lyon. Toujours à Lyon. Ça fait presque une heure et demie qu'on est là, toujours au même spot. C'est dingue là. Où ça? La voiture balai de l'INSA Express commence à passer pour récupérer les participants qui sont pas encore partis, qui galèrent comme nous. Et donc on espère qu'on va échapper à cette règle, parce que en tant que autostoppeur presque professionnel, on sera un petit peu déçu de passer par la voiture balai. Mais bon, c'est le jeu. Yo. Coucou. Yes. On est là. Les avec premiers, les copains de la voiture balai. Les premiers de la voiture balai 2, les stop me si tu peux. Les meilleurs, les champions du monde. Les monstres. Les monstres. Les monstres. Donc voilà, notre pire crainte est arrivée. À savoir que la voiture balai nous a récupérés. Nous n'avons attendu que 2 heures. Voilà. Bon, maintenant on est sûr d'aller à Toulouse, donc c'est cool. Donc voilà, on est plutôt bien. C'est vrai qu'on est plutôt bien. Bah ouais, bah en fait c'est nul le stop. Pourquoi est-ce qu'on resterait pas dans la voiture balai? Ok, c'est bon, alors ça fait 20 minutes qu'on était bloqués sur l'aire de repos là, avec un binôme de filles aussi qui ont trouvé une voiture pile en même temps que nous. Donc là on est parti pour aller en direction de je sais pas où, vers le sud. Bonjour. C'est bon, on a rejoint la meute. Tous les binômes se sont dit on va se retrouver ici, on va galérer tous ensemble. Fail. 45 minutes bloqués sur l'aire de station service, là ça commence vraiment à être long. Et entre la galère de ce matin et maintenant, là on commence vraiment à se dire qu'on. On bat des records. On bat des records de nullité. Et donc là c'est clairement un jour sans pour l'instant, mais il suffit d'une rencontre et d'une voiture pour que tout change. Bonjour. Bonjour, vous êtes en stop? Est-ce que vous allez Marseille? Vous êtes en stop aussi? Vous êtes en stop? Ouais, ouais. D'accord, bah nous on va. Ouais, on est trois. Bah, il y a un gars qui va à Toulouse, gentil. Il nous aura emmené. C'est pas le mec en. C'est là la petite voiture. Allez, merci. Ciao. En direction de Montpellier. Et Toulouse. Et on voulait savoir si. Pourquoi pas. Merci. Dupont, compte rendu sur la situation. Mon capitaine, pour nous, progression constante, cap ouest, conditions météorologiques médiocres, arrivée prévue dans une heure. C'est reçu, Dupont. Oui. Donc comme vous l'avez si bien compris, nous sommes avec le capitaine Cédric qui est du coup parachutiste pas loin de Toulouse, et qui du coup nous a fait quand même une belle trotte puisqu'il nous a pris aux alentours d'Orange sur l'axe A7 et qui nous dépose directement jusqu'à Toulouse.
Et en finale, depuis Lyon jusqu'à Toulouse, on aura fait uniquement que 3 voitures. Donc je pense qu'on a battu un de nos records de... comment on dit, de... Le rapport galère de... et rapport... distance. On n'aura jamais autant galéré, mais jamais pris si peu de voitures. C'est tout le paradoxe du stop. Voilà, à vous. Rompez. Et on arrive, on va dépasser plein de stops.